Alessandra. Ils n'ont pas cherché Alessandra. Ils n'ont pas cherché. Ils ont négligé notre histoire. Ils ont négligé notre histoire. Ils n'ont pas cherché. Les policiers canadiens, ils n'ont pas fait les recherches. Oh, ils n'ont pas cherché. Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que la femme là va devenir? Qu'est-ce que la maman de Sandra, qu'est-ce que Rosemine va devenir? Mon Dieu, pourquoi c'est nous toujours les noirs? On subit les choses comme ça. Qu'est-ce que la maman d'Alessandra va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Son espoir, sa princesse, ils l'ont tué. Oh. Ils ont retrouvé son corps. Et tu me parles des infos? Oh. Ils sont à Saint-Quentin. Ils sont sur l'île Saint-Quentin là. Oh!
notre autorité qui est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo ne pouvait pas enlever les corps comme ça. On l'exécute directement. Ils attendent l'ambassadeur. Ils attendent l'ambassadeur. Ils attendent l'ambassadeur. Parce que tant que l'ambassadeur ne vient pas, on ne peut pas monter le corps. C'est l'ambassadeur qui va donner. Ah, ça fait mal, hein? Ouais, c'est vrai que l'ambassadeur arrive. On dit le corps est parti, le corps est parti. Le corps n'est plus là. Le bâton noir qui est parti, c'est avec ça que le corps est parti. Le corps est parti. Ils sont à la mort. Le corps n'est plus là. Ils ont mis le corps dans un bateau. Ils sont partis avec. Si, il y a un protocole à suivre. Parce que l'ambassadeur a dit basé là-bas qu'il est d'accord, que je m'inquiète, on vous a manqué à rester. Mais moi, il est en route.
C'est fini, ils ont pris les corps. Attends, c'est là l'ambulance. Vous restez dans les mots. Monsieur, s'il vous plaît, le corps est déjà parti. Même les policiers font malin même. Ils veulent même pas répondre. Ils veulent... Mais non, mais c'est pas possible, le Canada. Ils veulent même pas répondre. Elle a juste demandé. Monsieur, excusez-nous, le corps est parti. Oh, excusez madame, ils n'ont pas fait les recherches approfondies. Oh Seigneur, nous les Noirs on souffre. Si c'était une blanche là, elle donne la réponse. Si c'était une blanche, une canadienne là, elle dit, elle répondre. C'est faux, ils ont le droit de répondre. Ils peuvent répondre, ils savent comment on est triste. Ils savent comment on est triste, ils voient... Non mais c'est pas possible. C'est fini. La famille, les corps ne plient là. Corps et Alissou sont arrêtés. Ils ont fait passer les corps à Nandela Maï. Donc, ils nous ont trompés. Les corps ne plient là, la famille. Donc, les corps est déjà parti. Désolé, monsieur l'ambassadeur, vous allez arriver ici, mais vous n'allez pas trouver les corps. Là, ils sont en train de partir. Les corps ne plient là. Quand on avait vu, Bazaki ma boîte, mi balé boîte, moi, Bazaki na sac à noir. Et si vous constatez, mon autorité à ma casse, au bazar qui va la basale chouti. Ma kéké déjà, donc, vous a un mes corps. Je suis de la merde, je sais pas. Bon, maman, baby, c'est là où ils vont aller récupérer les corps, mais pour l'instant, les corps n'est pas là. Le corps est déjà parti, mais nous sommes là. Nous attendons l'ambassadeur. Il paraît qu'il est en route. Il est en route, l'ambassadeur. Mais de l'Ottawa jusqu'ici, je pense que c'est 4 heures de temps. Je sais pas si. C'est 4 heures de route. Je sais pas si l'ambassadeur est où. Mais nous, quand on était là, on faisait des recherches. Mais si l'ambassadeur, tu étais chez toi dans le bureau. Même pas au type de la mission représentant mon côté qu'ambassadeur venir ici chercher avec nous. Et maintenant, la petite n'est plus là. Yoann Ojoya. On dit c'est le monsieur là, le blanc là, le canadien, qui a un bateau là. Lui qui avait fait une vidéo hier pour dire qu'il s'en va chercher Alessandra là. Apparemment, c'est lui qui a trouvé le corps et puis il a appelé la police. C'est un blanc là, le canadien là. Oui, oui, c'est lui. Le blanc là. Lui qui avait. Jamais. N'oublie pas de me signaler pour suivre. Vous vous rappelez, il y a un Canadien blanc qui avait fait une vidéo qui dit que non, lui aussi, il va aller prendre son bateau pour aller chercher Alessandra sur l'eau là. C'est lui. Donc, c'est lui. Lui là-même, il est suspect. Il est suspect. Comment ça se fait que. Hier, yeah, il a fait une vidéo. Lui là-même, il est suspect. Le Canadien blanc là. Lui qui a trouvé le corps aujourd'hui là. Il est suspect. C'est ça que la vérité? Là, ouais. C'est un peu vite, mais... Je suis vraiment abattue. Oui, je comprends. Ça n'est pas de chance. Je sais qu'il n'y a pas eu des recherches comme approfondies. Oui, je sais. Ça, c'est une négligence. C'est vraiment une négligence. Ils n'ont même pas fait sortir des chiens pour patrouiller. Les chiens pour patrouiller. Zambé. Ils n'ont pas fait sortir de chiens pour patrouiller. Ils ont négligé les recherches de notre fille. Ils ont négligé les recherches. Je peux pas parler pour eux. C'est parce qu'elle est africaine, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça, madame? Je sais pas. Nous sommes ici au Québec. Oui, je sais, je suis avec vous. Moi, je suis à 100% avec vous. Je paye nos taxes, nous sommes intégrés. Oui, nous ne sommes pas dans les salles pour. On respecte votre pays. Mais regarde comment. C'est pas juste avec vous que ça arrive. Nous aussi, on a des. Il y a des choses qui se passent, puis c'est. Ça n'a pas d'allure. Il faut essayer de comprendre. Tu sais, je peux pas.
parler, mais nous aussi, les Québécois, ça arrive. Ça nous arrive aussi. Il y a plein de gens qui ont disparu et qui n'ont jamais trouvé, là, encore. Je parle comme Cédrica Provencher, les autres, plein d'autres jeunes qui sont disparus. Il y a longtemps, longtemps. Puis ils n'ont jamais retrouvé. Alors, vous comprenez, il n'y a pas juste avec Alexandra. C'est avec nous aussi, les Québécois, c'est arrivé. C'est fou. Il y a plein de jeunes qui ont disparu encore. Tu sais qu'hier, quelqu'un entendait les voix ici à l'intérieur. Ouais. Hier, il travaillait, attendait des cris ou des secours. Elle avait appelé la police. La police était descendue avec la police. Ils ont circulé aussi pour ils ont écouté aussi. Ouais. Sauf que la police avait rien. Ça n'a pas chargé. Non, exactement. Elle m'était mis à aller sur cette main chargée. Ouais. La police était là. Ils écoutaient. Ouais. Ils n'ont rien fait. Ils sont partis. On a trouvé la fille. Bon. Est-ce que hier la fille était encore vivante? Hier, elle était vivante. Elle était vivante. C'est les pêcheurs, les dépêcheurs qui sont là-bas. C'est là-bas, oui. C'est eux qui ont trouvé. Mais comment tu sais que ce sont les dépêcheurs? Parce qu'ils l'ont dit. Ils ont dit? Ah, on dit que ce sont les pêcheurs. Il y a deux pêcheurs. Qu'on trouvait le corps. Oui, pas la main. Est-ce qu'il y a un coup Donc, la famille, ce sont les deux pêcheurs, mais ils sont très loin. Je ne peux pas. Je peux pas soulever. Ces deux pêcheurs-là, ils sont vraiment très loin, la grande famille. Ce sont eux qui ont pêché les corps des. Mais est-ce qu'ils ont dit c'est la vie? Ils ont pêché les corps des. Je pense qu'ils ont pêché sur les cours d'eau. Je pense qu'ils ont pêché sur les cours d'eau. Je pense que oui. Ouais. Donc la famille. Allez les voir, mais je confirme, Malobabaloba, il n'a pas lobby. Que Azali tout autour Yamai, Bakangi tout autour Yamai, parce que va pêcher, va jouer tout autour Yamai. Lobby na butu na ifsa ki binoto, bima balobi na ngai, Azali na mai, Bakangi maboko na munoko, na nzete aza tout autour Yamai. Na yeti place na pesa ki bino rendez-vous pour ton bima, tu la rotala tout autour Yamai, bande ko boyete. Et les lobes à pêcher va confirmer, va jouer tout au long Yamai. Qui était hier avec moi dans les lives quand je disais que quelqu'un m'a. Parce que quelqu'un m'a écrit pour me dire retournez là-bas à l'endroit. La fille, elle est. Oui, la fille, elle est tout au long de la rivière. Munoko Bakanga, Maboko Bakanga. Je suis retournée chez moi. J'ai lancé les lives, j'ai appelé ma communauté pour leur dire, écoutez-moi, il y a quelqu'un qui vient de préciser, j'ai même les messages. J'ai même les messages de la confirmation. Et moi, on s'est retrouvé tout au long, il y a Maï Bakanga. On dit que c'est deux pêcheurs qui ont retrouvé le corps, apparemment. Mais les deux pêcheurs là sont un peu loin, donc elle est en train de voir si elle va partir vers eux. Un message, il y a moi, si quoi, à Koumé la Kinga. J'avais écrit à ces messages-là, j'avais dit. Je dis, ils ont négligé les recherches d'Alessandra. Parce qu'hier seulement, il y a une dame qui travaille dans la forêt là, qui a dit qu'elle a entendu du bruit. Et elle a appelé la police. Ils sont venus un peu, ils ont sillonné un peu, ils sont partis. Ils auraient dû venir avec les chiens. Pourtant les chiens là, eux reniflent. Ils reniflent le danger. Relâcher les chiens et les chiens là, c'est eux qui allaient faire le travail. C'est les chiens qui allaient faire le travail. Mais eux, ils nous disent que ouais, ils ont amené des hélicoptères. Vous avez vu un hélicoptère? Vous avez vu un hélicoptère là? Normalement, des recherches comme ça, on filme. Vous avez vu un hélicoptère? Moi, j'ai pas vu. Si vous avez vu, moi, je sais pas. Vous avez vu un hélicoptère? Vous avez vu un hélicoptère là? Pourquoi on n'a pas vu un hélicoptère là? On n'a pas vu d'hélicoptère, on n'a rien vu. En France ici, nous
France, on voit la télé. Quand ils s'en vont faire les recherches ici en France, là, quand ils font partie même les chiens, la police, sur le lieu qui est indiqué où il y a eu crime ou danger, voilà, on filme, on nous montre à la télé. On nous montre à la télé. Quand il y a eu hélicoptère, on nous montre à la télé. Mais pour Alessandra, ils disent qu'ils ont amené hélicoptère. Hélicoptère où? On a vu quel hélicoptère? Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Les gars parlaient juste à leur télé canadienne. Ils donnaient des informations, des nouvelles. Mais quel genre de nouvelles? Des nouvelles que nous-mêmes, qui sommes sur les réseaux sociaux, on sait déjà. Donc, je peux dire que c'est nous. Nous, les vidéastes. Nous, les personnages publics. Nous, les TikTokers. Nous, les influenceurs. Nous, les blogueurs. C'est nous qui avons fait le travail. C'est nous qui avons fait le travail. C'est nous qui avons fait le travail. Tous les blogueurs, tous les TikTokers, tous les vidéastes, tous les personnalités publiques, personnages publics, tous les influenceurs, c'est nous qui avons fait le travail à la place de la police canadienne. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est révoltant. Je vous assure, famille. Si c'était une Canadienne, si c'était une Canadienne, vous auriez vu l'engouement qu'ils allaient mettre dans les recherches. Mais nous, ils ont négligé. Ils nous ont négligé. Ils se disent encore ces noirs là. Encore ces noirs là. Encore eux. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Je suis désolée, mais c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Quand déplaise, c'est la vérité que je dis. Hein? Regardez tout ce qu'ils ont fait. Regardez tout ce que la communauté congolaise a fait. C'est rassemblé. D'un même cœur. D'amour, la communauté congolaise, franchement, mettez les cœurs pour cette communauté congolaise là. Mettez les cœurs pour cette congolaise, pour la communauté congolaise. C'est la communauté congolaise au Canada que vous venez de voir là. Ils ont été vraiment génial. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les rende. Au-delà même de leurs pensées, que Dieu les rende. Vous voyez où on en est aujourd'hui? Ou bien c'est une façon de nous dire qu'on ne veut plus voir les étrangers, les immigrés dans notre pays. Peut-être c'est ça. C'est une manière de nous dire ça. C'est une manière de nous prévenir. C'est une manière de nous avertir qu'au Canada, on ne veut plus voir les étudiants, on ne veut plus voir les noirs, on ne veut plus voir les étrangers. Ne venez plus étudier chez nous. C'est une manière de nous dire, de nous prévenir. Vous voyez? C'est ça. C'est une manière de nous dire que n'amenez plus vos enfants ici. Regardez. Depuis 6 ans, le petit Ivoirien là, l'enfant n'a pas été retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Le petit Ivoirien. Le petit garçon ivoirien. Jusqu'à aujourd'hui, le petit, ça fait 6 ans. Ils n'ont même pas retrouvé son corps. Vous voyez? Vous voyez? Et encore, il y avait une histoire aussi, d'une autre aussi. Une autre aussi, une africaine aussi. Qui a la même histoire qu'Alessandra. Qui a la même histoire qu'Alessandra. Vous voyez, depuis des années, nos étudiants, nos enfants disparaissent au Canada. Ayons le discernement. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est dommage. On se dit, Canada, nos enfants viendront au Canada. Parce qu'il y a la sécurité. Le Canada est le pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi au bout d'1 an, 2 ans, nos enfants disparaissent.
où nos enfants soient kidnappés, séquestrés ou tués. Mais mieux qu'on laisse nos enfants en Afrique, au moins. Si nos enfants sont en Afrique,